Bonjour ma petite Lucia, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux maintenant, comme j'ai été un peu malade. Mais je suis là pour vous montrer mes petits achats de pop que j'ai acheté il y a un moment maintenant, mais que j'étais malade, du coup j'ai pas su faire la vidéo. Du coup, je vous montre, c'est chez Poképop. J'ai acheté deux pop très belles. Du coup, on va commencer avec la première que je pioche au hasard. Et c'est Wally que je vous montre comme ceci. Voilà. Très belle petite pop. Comme ceci. Voilà, ça c'est la collection de toutes les pop qu'il y a à l'intérieur. Moi j'aimerais bien avoir celle de Tigrou qui est là. Je ne sais pas si je l'aurai. Je vais vous la montrer de plus près. Oh, qu'elle est belle. Elle est lourde, je pensais pas. Elle est belle, je vous la montre de plus près. Comme ceci. Elle est trop belle. Et tous les détails. C'est pas un... C'est un Disney ou un Pixar? Enfin, c'est pas un que j'ai préféré dans tous les Disney. Je trouve très beau. Une belle petite pop dans ma collection qui va aller là. J'en ai tellement maintenant que je ne sais plus quoi en faire. Je vais la remballer. Hop. Je vais avoir des boîtes en plastique qui vont venir les protéger bientôt. J'en ai commandé. Ils vont arriver. Et là. Deuxième pop qui est encore plus belle que celle-là, c'est de Belle en diamant exclusive. Je sais pas si vous voyez qu'elle est toute pailletée, mais comme ceci, et c'est dans cette collection ici, cela. Voilà, elle peut très bien. Hello. Hop. Et on les pèle. Ah mais c'est pas les paillettes comme certaines pop. Je sais pas si vous voyez les paillettes, mais elle est toute pailletée. Ses cheveux sont toutes pailletés, sa robe. Alors elle a son petit oiseau dans les mains. Je sais pas si vous voyez les paillettes. Mais sa robe, sa cape. Son oiseau qui est dans ses petites mains. Et l'autre, je sais pas c'est quoi. Un autre petit oiseau, je pense. Un peu vert. Elle est toute pailletée. Et c'est une paillette un peu différente des autres. La matière n'est pas comme des autres. Les autres, les paillettes, tu les as tous en main. Ici, non. On n'a pas de paillettes. Je trouve très belle. Très belle, j'aime bien son nœud dans ses cheveux. Moi, je fais ça au mien et ça tient pas. Elle est très belle. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'était une petite vidéo cette fois-ci parce que j'ai que deux pop à vous présenter. Ah non, je peux vous montrer. Celle-là que j'ai pas pensé aussi à la sortie, à vous la montrer. Je l'ai eu en cadeau. M'a fait clochette. J'ai vraiment pas pensé à celle-là. Pas du tout. Mais je peux vous la montrer comme je suis là. Elle est très belle. C'est pas de pop. Je sais pas comment. Si ça fait. Si c'est de Funko. Enfin, c'est de pop. Voilà, je vous la montre comme ceci. Je peux vous la sortir aussi pour vous la montrer. J'oublie toujours celle-là derrière moi. Je l'ai mis quand je l'ai eu. Mais je pense pas la montrer. Je viens d'y penser. Je vous... Elle a un socle. Pour certaines, elles ont un petit socle comme ceci en plastique. On l'attache au pied pour qu'elle tienne beaucoup mieux. Mais moi, je ne la sors pas de sa boîte. Je la trouve trop mignonne avec son
Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est un truc de couture, mais on ne sait plus le nom. Sur sa tête. Je la trouve trop mignonne avec sa robe. Ses petites chaussures. Sa tête. Je me mets de plus près. Ses ailes sont belles aussi. Elle est bien détaillée. Voilà. Dites-moi en commentaire comment vous, ce que vous en pensez. Je vais essayer. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Normal, tiens, comme ceci. Sur le socle. Voilà. Plus facile pour la montrer. Elle est très belle. Je l'adore. Pour ça qu'elle est déjà dans mon décor. Très vite. Hop, on la remet pour pas l'abîmer tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez de ces petites figurines que j'adore, surtout celle-ci, bien sûr. Celle-ci, c'est un cadeau, du coup, je ne sais pas où on peut la trouver. On doit la trouver un peu partout, je suppose. Voilà. Dites-moi en commentaire à quel pop vous préférez. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait beaucoup plaisir. De mettre un commentaire. De mettre un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.